Bonjour tout le monde, c'est Pro. Aujourd'hui, on est pour une nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez dit dans le titre, on va ouvrir les boîtes. Unboxing. Je n'arrive pas à le dire en anglais parce que je stream même en anglais. Alors, donc pour moi, c'est des trucs pour mon ordi. Parce que j'ai une petite rigueur de laptop et un qualité cheap. Alors, on m'a acheté des trucs parce que oui, je ne les ai pas achetés dans mon argent. Merci la famille, c'est ça, donc voilà. Et on force les boîtes ensemble. Donc j'ai une souris Black Web. Alors juste avant, non, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Black Web. J'ai une souris Black Web, j'avais tout voulu. C'est une souris gamer. Alors elle a un capteur optique amélioré avec interrupteur OPP ajustable. 6 touches ultra sensibles et programmables de façon indépendante. Merci la lecture William. Peut enregistrer jusqu'à 5 profils personnalisés. Effet d'éclairage RVB offrant un choix personnalisable de, attention, 16,8 millions de couleurs et d'effets pulsés. Alors, beaucoup de couleurs, vous l'avez compris. Et compatible avec les systèmes d'exploitation Windows XP 7, 8, 10. Alors, je vous remontre la boîte. Black Web. Hop. Regardez. Donc, ouvrons cette première boîte. Oh non, mais j'ai oublié d'enlever le scotch tape. Non, je n'ai pas apporté de ciseaux. Et je vais pas aller en chercher parce que ça sert à rien. Ça sert à ça, des bibis, hein. Vous l'avez compris, je n'ouvre pas ça avec délicatesse. Alors, j'ai le fil pour ma souris. Il faudrait déjà sortir la souris. Ah, bon, voilà. Elle est quand même grosse, hein. Là, ma souris. Donc, j'ai le fil. Ah, c'est vraiment confort. Hein. C'est une grosse souris, ça. Ça, c'est une vraie souris. Moi, je pensais qu'elle était plus petite, mais non, non, non. Ça va faire beaucoup de changements. Bon, alors c'est juste pour l'avoir. Après ça, je ferai une vidéo pour vous présenter. Donc la souris. Et en mode d'emploi. En mode d'emploi. J'ai un disque. Black Web, je ne sais pas ce que c'est. Dedans. Et j'ai un manuel pour les couleurs. Donc ça c'est les déchets, on va les jeter tantôt. Donc assez bonne souris, hein. Donc je répète, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Black Web. Donc j'ai dû couper parce que mon frère est entré dans ma chambre. Alors, voilà. Donc on passe au clavier. Voilà. De façon que j'avais fait, c'était très bizarre. Donc c'est un clavier silencieux sans fil. T'as un fond Bluetooth et silencieux. Ah bon. Donc c'est idéal pour la bibliothèque, la cubicule, je sais pas ce que c'est. Le bureau à domicile, le dortoir et plus. Alors c'est un clavier silencieux comme je vous le dis. Écoutez. Ça fait pas un bruit comme un clavier mécanique, hein. C'est pas le même. Bon, alors, touches silencieuses. Vous-même profiteront des touches basses et silencieuses, ainsi que la disposition régulière des touches de fonction et du clavier numérique. Fiabilité sans fil 2.4 GHZ. Technologie avancée de 2.4 GHZ qui offre une connexion fiable jusqu'à 10 mètres. Donc 10 mètres. Ça fait même pour ma chaîne.
pratiquement sans interférence, donc pas de problème. Nanorécepteur. Lorsque vous êtes prêt à travailler, branchez le nanorécepteur sur le... Ok, dans le fond, ça me dit quoi faire. Touche rapide, facilement accessible. Accédez rapidement aux outils fréquemment utilisés tels que le courriel, commande audio, grâce au tour, aux touches raccourcies. Bravo de lire comme il faut, William. Oh! Oh! Ah, ça m'est tombé sur les doigts. Alors, voici mon clavier. Pas un clavier gamer, mais... C'est bon. C'est un Black Web. Alors, putain, je disais que c'est sans bruit. C'est très silencieux. Eh oui. Ah, je m'imagine bien, j'en viens de même. Ok, donc, mon clavier. Très bon. Alors, il faut des piles triple A. Donc, vous ne voyez pas, hein, bien sûr. Donc, il faut des piles triple A. Attends, il y a une touche prise, là. On va remarquer. Ah non, il fait de même. Ah non, je l'ai juste débloqué. Donc, mon clavier est silencieux. Ah bah oui. Hein. Puis, la prochaine affaire que je vais m'acheter, c'est un tapis pour la souris parce que là, j'ai un carnet. Oui, j'ai fait avec les moyens du bord. Alors. Hop. Ah, il y a une clé. Ah, c'est pour le clavier sûrement parce qu'il est sans fil. Donc, il se connecte sur l'ordi. Et il y a un mode d'emploi. Et c'est tout. Donc, je vais garder cette boîte. Non, en vérité, je vais aller dessus. Donc, c'était tout pour cette ouverture de boîte. Et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. C'était d'être pro. Pourquoi je fais ça? Et c'était d'être pro.